Oui, je vois pas les étudiants en ligne. J'espère que il me semble qu'il est bien 15 heures. Et donc, peut-être, oui, je vois qu'il y a déjà trois en ligne. Les autres vont rejoindre. Bonjour. Vous m'entendez? Ah, je ne vous entends pas réagir, hein? Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose à régler? Donc, apparemment, non. Donc, je vais démarrer quand même, hein. Donc, il y a cinq personnes. Cinq personnes. Y a-t-il des problèmes techniques? Je vais vérifier les audios. Est-ce qu'il y a des problèmes? On ne dirait pas. On ne dirait pas. Et la caméra, je suis bien visible, en tout cas à mon niveau. Et je vois les gens en ligne, mais apparemment, ils ont des problèmes pour réagir. Bon, on va commencer. Peut-être qu'on va régler les problèmes. N'hésitez pas aussi à utiliser les téléphones avec WhatsApp, etc. Et donc voilà, aujourd'hui nous allons parler des grands leaders, des grands leaders transformationnels. Et notre idée c'est que est la suivante. Et le fruit d'une longue recherche, donc les grands leaders transformationnels sont des gens, des grands lecteurs, et des gens curieux. Ça peut paraître bizarre, hein. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, à la maison, fils d'enseignant, la maison était pleine de livres. Et ce qu'on appelle bibliothèque, qui était dans le salon, c'était plutôt des livres. Aujourd'hui, quand je rentre dans les maisons au Sénégal, ce qu'on appelle bibliothèque, et c'est effectivement beaucoup plus des lieux où l'on met des verres, des plats, etc. Pourquoi les choses ont autant changé? C'est quand même bizarre. Et en tout cas, le principe est le suivant. Donc aujourd'hui, dans le cours, c'est de vous amener à découvrir une réalité. C'est que les grands leaders transformationnels, je ne parle pas de n'importe quel leader, parce que les deux derniers cours qui nous restent après, on verra qu'il y a leader et leader. Et les grands leaders transformationnels sont des grands lecteurs. Ils lisent beaucoup. Ils lisent des livres, ils lisent la vie, ils lisent les expériences, etc. Et ils sont curieux. Ils sont curieux. Donc voilà un peu ce que je voudrais aujourd'hui développer avec vous. Pour qu'on explore ensemble cette problématique. D'accord? J'espère que vous voyez mes transparents, confirmez-moi. Hein? Donc voilà le grand problème. Le deuxième problème aussi, c'est qu'ils lisent beaucoup d'ouvrages. Hein? Ils lisent beaucoup d'ouvrages. J'ai agrandi pour que vous voyez beaucoup plus. Et ce sont des lecteurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut entendre lecteur au sens large. Lecteur d'ouvrages, lecteur de la vie des gens, lecteur des bonnes pratiques, etc. Et donc, être un grand leader, ces grands leaders sont rarement le fruit du hasard. Bon, vous me direz que oui, il y a un tel qui est devenu leader, qui est devenu ceci, riche, etc. Bon, des exceptions, ça existe dans toutes les choses. Et donc, ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas ce que nous disons, qu'il a peut-être réussi, qu'il est peut-être allé loin, qu'il faut dire que ça se généralise. Hein? Donc, mieux vaut ne pas croire trop à la chance, mais croire à soi-même, hein? À ce qu'on fait soi-même pour se développer. Donc, ces leaders sont le fruit d'une histoire, d'un processus. Un processus, c'est-à-dire qu'ils ont fait un effort de découverte, qu'ils ont fait un effort de développement d'eux-mêmes, qu'ils ont investi sur leur propre développement, etc. Ils sont curieux. Hein, ils sont curieux et ils désirent savoir, ils désirent comprendre. Et comme dit John Maxwell, ce sont des gens qui se posent de bonnes questions. Donc attention, la chance, ouais, peut-être ça existe, mais c'est la chose quelque chose de très mal partagé entre les gens. Ce que nous voulons vous montrer dans cet exposé, c'est les recherches.
Parce que, en fait, ce qui manque souvent, c'est les recherches. Chacun dit oui, moi je pense, oui, ceci, cela. Mais en fait, il faut que ça soit prouvé. Et la meilleure manière de le prouver, c'est par les recherches. Hein, par des enquêtes, par des recherches documentées, en interviewant des échantillons représentatifs d'individus. On ne peut pas se baser sur deux ou trois individus pour dire que oui, c'est comme ça, les gens pensent que, etc. Ce n'est pas scientifique. Hein, c'est quelque chose de gratuit, de dictatorial, etc. Hein, on valide une hypothèse lorsqu'à une échelle représentative des gens, on peut dire que c'est ça la vérité. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle les enquêtes, l'échantillonnage, etc. Les Américains aiment cela beaucoup et le font. Chez nous, on le fait pas. Hein, il y a des pays comme le Sénégal, comme l'Afrique en général, on ne le fait pas et chacun pense que lui détient la vérité. Il détient une parcelle de vérité, hein, qu'il connaît ce que les autres pensent, que sa pensée est représentative, etc. Et donc, en réalité, ce n'est pas de la science. La science est basée donc sur des recherches, sur des chiffres, etc. Et ce que ces études montrent, c'est que, en fait, ces grands leaders qui ont transformé les choses, qui ont laissé des traces, qu'on les appelle Bill Gates et autres, hein, donc, c'est des gens qui ont investi. Ils ont investi dans leur propre développement. Nous, nous voyons les résultats et nous pensons que c'est spontané. Et quand on a une vision simpliste des choses, c'est des gens qui ont investi dans leur propre formation. Quand je dis formation, ce n'est pas simplement aller à l'école, avoir un diplôme. Je me demande même ce qu'on apprend en dehors de l'école, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus important en volume que ce qu'on a appris pendant, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui. L'école, moi je dis, aujourd'hui, l'école devrait plutôt nous apprendre à apprendre et à l'aide d'Internet, etc. C'est des gens qui lisent beaucoup, c'est des gens qui aiment découvrir. Ils n'ont pas forcément un diplôme, certains en ont, etc. Parfois, ils ont arrêté les études au bon moment, comme Bill Gates, etc., et comme le gars de Facebook, quand même, je crois qu'il a terminé ses études, etc., mais il y a bien d'autres gens. Hein, ce qu'ils appellent les drop-outs. Moi, j'ai des amis coachs aux États-Unis, de classe internationale. Quand je regarde, beaucoup sont allés jusqu'à l'université, mais à un moment donné, ils ont arrêté et préféré poursuivre un rêve. Mais ils avaient une base pour apprendre. Quand on parle d'Elon Musk, bon, c'est vrai que c'est un physicien, hein, mais beaucoup de choses, il dit, moi, ce que j'ai fait sur le fusée aujourd'hui, qui commence à envoyer dans l'espace, etc., il fabrique des voitures électriques et tout, il dit, moi, je les ai appris dans les livres. Hein. J'ai appris de deux manières, dans les livres et en m'entourant bien, en écoutant les gens qui savent, etc. Donc, nous voyons que derrière, il y a la fameuse loi de l'humilité dont on avait parlé. Mais parmi toutes ces démarches, la lecture est un des leviers. C'est un puissant levier de progression. Et moi, je suis fils d'enseignant, je suis né dans un livre, plein de, dans un, dans une maison plein de livres. Et toute ma jeunesse, j'ai eu mes moments de loisirs, si je peux les appeler ainsi, et pour lire des livres, des pages avant de dormir la nuit, à l'heure de la sieste, pour trouver le sommeil, etc. Et je suis sûr que cela a façonné un peu ce que je suis devenu par la suite. Et je ne suis certainement pas de ça. Pour le prouver, nous allons vous donner quelques cas pratiques, je l'appelle comme ça. Theodore Roosevelt, qui a été président des États-Unis, chaque jour, il avait deux livres entre les mains, qu'il s'efforçait de lire progressivement et de faire des résumés. Ça aussi, c'est une bonne habitude. Moi, je me rappelle quand je préparais le bac et tout ça, j'avais mes fiches résumées. À l'époque, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Et j'achetais des petits cartons, je lisais, je faisais mes résumés. J'avais un résumé des plus belles citations, hein, que je vois aujourd'hui sur Internet. Moi, je le faisais déjà quand j'étais très jeune. Et Theodore Roosevelt avait cette pratique-là de lire deux livres par jour qui tentaient de résumer. Abraham Lincoln, hein, un grand homme, président des États-Unis, avait beaucoup d'appétit pour la lecture. Et si on regarde le monde d'aujourd'hui, Bill Gates, il y a beaucoup de sites sur lesquels vous les verrez parler du livre. La plupart des études montrent qu'il lit 50 livres par an. Hein? Et ça fait au moins 3, 4, 5 livres. Hein? Apparemment, il a développé une méthode de lecture. Il faut peut-être aussi vous initier à la méthode de lecture rapide, hein, qui vous trouverez sur le net, sur YouTube. Des opportunités pour maîtriser cette approche. Un autre,
Elon Musk, hein, qui est bien connu, qui est né en Afrique du Sud. Hein, ses parents, je crois que ses parents sont toujours là-bas. Et il a appris à les fusées dont je vous parlais, qu'il lance actuellement. Il dit lui-même qu'il a appris à les améliorer par la lecture d'une immense documentation. Il a le niveau pour lire, pour comprendre et pour découvrir, pour modéliser, etc. Et ça, c'est très important. C'est important pour nous, les Africains, parce que nous avons tendance à lire les idées des autres. Nous n'écrivons pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de livres produits en Afrique. Et si on ne fait pas attention, mais on se laisse endoctriner. Et donc, nous devons beaucoup lire et nous devons beaucoup réfléchir sur ce que nous disons. Et comme disait, et j'ai oublié de mentionner dans ce texte, un homme important qui disait, le président Senghor, qui disait, moi, chaque week-end, je lis mes livres et j'écris mes poèmes et je lis les rapports de l'inspection générale d'État et du bureau organisationnel. Je crois que beaucoup de Sénégalais d'une certaine génération ont entendu le président Senghor dire cela. Des gens comme Cheikh Anta, ce qu'ils ont écrit, et ils ont fait de la recherche, ils ont lu, sinon ils n'auraient pas pu. Hein? Ils ont lu et à partir de la lecture, ils ont expérimenté. Hein? C'est bien de lire, mais il faut aussi expérimenter. Se tromper, recommencer, relire, etc., chercher quelqu'un d'autre qui peut-être ne te dit pas la même chose, etc. Tony Robbins, qui est l'un des plus grands coachs de ce monde, il raconte sa vie, il dit que moi, j'ai eu une enfance compliquée avec une mère ivrogne, alcoolique, un père violent. Il s'est caché dans la lecture. C'est la lecture qui a permis de prendre du recul, de se façonner sa personnalité pour devenir le grand leader de classe internationale qu'il est aujourd'hui, qui coach les plus grands présidents de la République en Amérique du Nord, et les grands hommes d'affaires, etc. Et, mais il y a un prix à payer, c'est ce pays prix de l'apprentissage. Thomas Edison, j'aurais peut-être dû commencer par là, hein, qui fut l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. Il a tout inventé, pratiquement. Il avait, je ne sais plus d'un millier de brevets. Et les lampes que vous avez au plafond, là, les boules là, tout ça, lumineuses, c'est lui qui l'a inventé. La liste est infinie. Et puis ensuite, il est devenu un grand homme d'affaires. Mais ce n'était pas un bon élève en classe. On dit d'ailleurs la même chose d'Einstein. On dit que ce n'était pas un bon élève en classe. Mais il est devenu un brillant inventeur. Et il dit ceci, je lis tout ce qui peut aider. Donc lui, il lit tout ce qui tombe sur la main, il lit. Et ça l'aide à doper son imagination. Donc, il n'était pas un brillant élève, mais il fut peut-être le plus grand inventeur de tous les temps. Hein? On dit que dans sa bibliothèque, il y avait 30 000 livres. C'est ce qu'on dit en tout cas vous pouvez voir les photos de sa bibliothèque sur Internet. Warren Buffett, qui est l'un des plus grands investisseurs de ce monde, qui fait partie et je ne sais pas s'il a changé de rang, mais il faisait partie des 100 plus grandes fortunes américaines. Hein? Et d'ailleurs, quand vous le voyez dans son bureau, ses photos entourées de papiers partout, apparemment, ce n'est pas quelqu'un qui classe très bien. Et donc, quand on lui pose la question, qu'est-ce qui fait son succès? Oui, c'est peut-être ironique, il conseille de lire au moins 500 pages par jour. Bon, ça paraît bizarre, mais peut-être qu'il y a la technique de lecture rapide, on n'est pas obligé de lire ligne par ligne, il faut savoir ça, il faut beaucoup d'entraînement. Hein, il faut beaucoup d'entraînement. Et donc, Mark Twain, qui est un homme qui monte, hein, qui a été même tenté de devenir candidat à la présidence de la République, mais qui est devenu un homme d'affaires, et très, 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 très. Très branché sur les nouvelles technologies, il dit que moi je consacre 3 heures par jour pour lire. Donc, ça, ce sont les bonnes pratiques des grands hommes. Bon, par exemple, c'est des gens qui se réveillent tôt et le matin, avant de prendre, ils prennent un café, ils lisent au moins 3 pages. Moi, je vous conseille, avant d'aller au lit, de lire au moins 3, 4 pages. Vous verrez comment votre style de parler, votre éloquence, tout ça, ça va s'améliorer. Quand je vois les jeunes aujourd'hui qui ne peuvent pas construire une phrase, qui ne peut pas savoir la place de le et là, c'est qu'ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Mais ce n'est pas beaucoup d'efforts, ça. Hein? Chaque jour, peut-être à un moment donné, la journée, lire 4-5 pages, ou essayer de terminer le paragraphe la nuit avant de se coucher, lire 5-6 pages, c'est vraiment à porter. Mais quand je dis lire, les grands lecteurs lisent, les grands leaders lisent, sont de grands, comme on dit le terme, leaders are readers. Mais ils ne lisent pas n'importe quoi, évidemment. Ils ne lisent pas des choses provocantes, etc. Des choses destinées à escorter les gens ou des choses comme ça, à faire mal, disons. Donc, vous voyez, tous ces grands hommes sont de grands lecteurs. C'est votre tour.
C'est votre tour. Si vous voulez devenir les grands leaders transformationnels africains, parce que moi, je m'adresse avant tout aux Africains dans mes écrits et dans mes livres, et c'est que vous devez vous libérer. Libérer votre pensée, d'abord. C'est dans la tête que ça a tout changé. Vous devez être curieux, plus confiant en vous, décomplexé. Et ça, la lecture peut vous aider à faire le saut. On ne peut pas atteindre grand-chose si on ne veut pas investir sur soi-même. On compte sur le hasard, on compte sur les autres. Il faut changer. Il faut changer. Avec votre, vous avez un revenu. Achetez au moins un livre par mois, 10 000 francs CFA, 12 000, maximum 20 000, surtout pour les gens qui ont des revenus élevés. Et aujourd'hui, c'est manifeste que beaucoup de diplômés qui sortent des grandes écoles, des universités, ne lisent pas. Effectivement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre qu'une mode sorte, un grand thème, je suis axé sur les résultats, des trucs comme ça. Ils sortent là-dessus, ils le répètent, ils deviennent consultants, mais ils conseillent quoi? Ils vont faire des rapports, des études que personne ne va appliquer. Et 90% des cas, c'est comme ça. C'est des milieux que je connais bien, j'ai lu des tas de choses, etc. Et ensuite, deuxième conseil, il y a des experts qui classent les ouvrages. Surtout aux États-Unis, en best-seller. Il faut savoir également identifier des auteurs qui vous apportent quelque chose par rapport à votre travail, par rapport à vos rêves, et par rapport à ce que vous voulez faire dans la vie. Achetez des best-sellers qui ont été validés. Par exemple, aux États-Unis, New York Times best-seller, ce n'est pas n'importe quoi. Les gens vont l'acheter. Les gens vont... Il y a des trucs comme ça. Et aujourd'hui, nous verrons tout. Et les nouvelles plateformes qui existent. Et mon idée, c'est de vous encourager, vous, élèves de l'École internationale des affaires et tous les autres Africains qui nous écoutent, à s'engager dans la voie que je vais vous présenter tout à l'heure. Je vous ai donné des conseils pour la lecture. Je vais vous donner des conseils pour en faire un business. Pour en faire un business. Donc, achetez les best-sellers validés par la presse de renom, des professionnels, des experts connus, etc. Créez un temps et de l'espace pour vous, pour vos lectures. 30 minutes par jour, par heure, toute autre période, avant d'aller dormir, etc. Décidez du nombre de pages réalistes que vous pouvez lire parce que vous avez d'autres contraintes, etc. Et peut-être aujourd'hui, le livre se déploie sous d'autres formes. Vous pouvez tirer profit des nouvelles technologies actuelles, ce qu'on appelle les podcasts. C'est des audios, en somme, des vidéos, etc. Et vous avez tout ça sur les livres, je vous montrerai des sites. Et donc, dans la dernière version, sur les différentes pages, je vous mettrai aussi des liens. Et donc, c'est ça l'avantage aussi de certains pays comme les États-Unis. On n'affirme rien parce que tout est étudié. Et si vous voulez tromper les gens en disant des choses que vous ne connaissez pas, la recherche qui est partout, elle va vous démentir. Et le livre de Tom Corley, Rich Habits. Daily Success Habits of Wealthy Individuals. Je m'excuse pour les conseils. Donc, les habitudes journalières, des comportements journaliers des gens à succès, qui sont devenus riches. Là, il a fait également un survey. Donc, il a étudié 233 personnes qui sont déjà riches. Sur ces 233 personnes, vous aviez 128 personnes pauvres. Et il les a étudiées sur les 5 ans. Les résultats de ces études, c'est que 67% des gens riches, je m'excuse pour la coquille, et regardaient la télévision au moins d'une heure. Ils avaient de chats fouettés. Excusez-moi l'expression. Alors que chez nous, vous voyez des gens debout du matin au soir devant la télévision. Au lieu de cibler, au lieu de tout, ils passent le temps à écouter des choses qui finalement ne leur apportent rien. Sinon, l'illusion. D'un monde temporaire fictif, etc. Imaginez donc les autres qui font 24 heures, 12 heures, 18 heures devant la télé, etc. La lecture aussi, là c'est très important aujourd'hui pour la génération, pour vous-même, c'est une opportunité de business, de création d'emploi. Aujourd'hui, on parle des e-books, c'est des livres numériques. Les livres, ça sert à beaucoup. Par exemple, ça sert à ce qu'on appelle le e-marketing, ou ce qu'on appelle, il y a tout un langage, product ou produit, enfin, je ne sais pas comment on dirait, ce produit d'information.
Ça sert beaucoup, surtout sur les sites web. Hein? Ça sert surtout sur les sites web pour faire des résumés de lecture. En général, c'est utilisé comme APA, si je peux exprimer ce terme. Hein? Parce qu'en marketing Internet, il y a un principe free is good. Hein? Free is good. Hein? Donc, en marketing digital, très souvent, la première étape, c'est de donner quelque chose au prospect. Un livre, par exemple, un logiciel, des choses comme ça. Et en fait, le prospect, en acceptant ce livre parce que ça l'intéresse, etc., en même temps, il vous transmet ça, par exemple, son email, son adresse email. Dès que vous transférez votre adresse email, vous avez une base de données d'email. Il y a aujourd'hui des outils très dynamiques qu'on appelle les autorépondeurs et qui permettent régulièrement de leur envoyer des informations. Donc, quand on vous pose sur Internet quelque chose, souvent, c'est pour avoir votre adresse email. Et donc, on conçoit. Et d'ailleurs, en e-marketing, il y a un autre terme. L'argent est dans la liste. Hein? L'argent est dans la liste. Hein? Donc, vous voyez aujourd'hui la notion de free. C'est un premier principe d'e-marketing. L'autre principe d'e-marketing, c'est d'avoir une liste. Évidemment, ça change aujourd'hui avec les vidéos et tout ça. Ça se sophistique, ça devient plus démocratique, plus sophistiqué. Mais sans liste, c'est difficile faire de très bonnes affaires. Et donc, aujourd'hui, les nouvelles technologies, on est en train quand même de changer ces choses-là. Et puis, aujourd'hui, des gens comme Amazon ont très tôt compris ça. Le fondateur d'Amazon, il crée Amazon pour vendre des livres. Des livres. Il raconte son histoire. Et la plupart de son entourage pensait qu'il était un rêveur, un petit fou, etc. Mais on voit ce qu'Amazon est devenu aujourd'hui. Et c'est peut-être la première plateforme mondiale de vente en ligne. S'il n'a pas été détourné entre-temps. Parce que la concurrence est vive. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, vous, les jeunes Sénégalais, faites comme les jeunes Indiens. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de bousculer la concurrence aux États-Unis. C'est eux qui fabriquent les nouveaux sites et qui les vendent moins cher. Hein? Qui les vendent moins cher. Et donc, ce sont des plateformes qui vont vous permettre de faire ce que je suis en train de vous montrer. Et là, vous avez des plateformes que je vous montrerai, comme Get Abstract. Quand vous regardez bien Get Abstract, vous avez Abstract là-dedans. C'est un site web qui vous dit, tout le monde n'a peut-être pas le temps de lire un livre de 240 pages. Moi, je vais le présenter en 20 pages. Ça suppose des capacités de résumé très fortes. En même temps, je vais faire une vidéo d'accompagnement et je vais faire des dessins d'accompagnement et quoi encore, des audios pour le même livre. Hein? Je vous montrerai tout à l'heure en ligne, etc. Donc, Get Abstract. Et vous avez d'autres sites de ce genre, comme Sandview Books, Nathan Lozeren, Blickix, Graph Grading et Summary.com. Summary, hein? Summary, c'est résumé. Et donc, vous voyez, moi j'aime bien les trois sites à lesquels je suis abonné. De temps en temps, j'achète un livre qui me plaît. Get Abstract, j'aime ça bien. Graphic Readings, j'aime ça bien. Summary.com, j'aime ça bien. Etc. Et là, j'apprends dans mon métier, en tant que coaché, en tant que coach, hein, en tant que quelqu'un qui est spécialiste des questions de gouvernance, audit, etc., investigation. J'aime bien le e-business, j'ai investi dans le e-business avec d'autres gens et j'apprends là-dedans et j'ai appris quelque chose d'incroyable dans ce domaine-là, hein, qui pourrait étonner des gens qui se disent ce gars-là, c'est un littéraire, mais parce que j'ai eu la volonté de lire ces choses-là. Et vous avez également sur les chaînes YouTube, je vous montrerai tout à l'heure, hein, des e-marketeurs dont l'objectif est cela. C'est à partir des chaînes YouTube, présenter des ouvrages en résumé, mettre un lien pour l'achat, soit en tant qu'affilié, ils vendent pour les autres, soit ils font comme font Get Abstract, ils ont déjà fait des résumés, tout ça, ils vous disent, bon, allez sur ce lien, vous allez acheter les résumés du livre et la vidéo que vous pouvez regarder à tête reposée, etc. Donc, ils sont très imaginatifs. Et donc, ces documents-là sont accompagnés souvent de résumés exhaustifs d'ouvrages. Et de plus en plus sous forme d'audio, de vidéo, etc. Les messages que ces plateformes diffusent. Et par exemple, ils vont vous dire,
Et notre plateforme, GetAbstract par exemple, ou l'autre, propose des résumés exhaustifs de livres ou des résumés courts selon les cas. Au-delà des livres, des articles, des rapports. Des fois, ici, il faut d'autres liens qui vous permettent de lire des choses qui vont permettre, de comprendre, de mieux comprendre. Par exemple, sous forme d'articles très courts, etc. Un autre type de ce genre vous dit, nous trouvons, évaluons et résumons les connaissances pertinentes pour aider les gens à prendre de meilleures décisions en entreprise et dans leur vie privée. Et ils font ce genre de résumé que je vous montrerai tout à l'heure. Un autre vous dit, nous trouvons, donc ils cherchent, nous trouvons, évaluons et résumons les connaissances pertinentes pour aider les gens à prendre de meilleures décisions en entreprise. C'est un peu la même chose. Donc, voilà. Et cela, vous, les étudiants, pour les gens qui aiment lire, à condition d'améliorer un peu leur capacité de lecture, le temps de lecture dont je viens de dire, d'apprendre à mieux parler, à mieux écrire, à se mettre en groupe, pour les gens qui sont intéressants, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous verrez ceci tout à l'heure, et j'encourage l'école internationale à son club entrepreneuriat, et effectivement, et le bureau de vie, comme il l'appelle là-bas, d'étudier cette possibilité-là. Je pourrais donner des tas de références qu'il pourrait étudier. Mais là, c'est un projet. Il va falloir se mettre sous forme de projet, etc., avoir des plans d'action et toute autre chose nécessaire. D'ailleurs, un grand dirigeant comme Mahathir, la Malaisie avait compris l'importance de la lecture. D'abord, lui-même, c'était un grand lecteur. Il aimait bien lire les ouvrages de management et il conseillait à ses ministres et consorts de les lire. Et puis, vous savez, quand le chef fait certaines choses, les gens qui suivent font ça, etc. À un moment donné, quand vous voyez d'ailleurs les premiers programmes qu'ils ont produits, en réalité, c'est des concepts de management classiques qu'ils ont essayé d'appliquer à leur état. Avec des gens comme Idriss Déby et tout ça là. Ils n'ont rien dit que Peter Drucker n'a pas dit ou un autre. Ils ont essayé de l'appliquer. Et donc, ensuite de cela, il a lancé la décennie du livre comme une initiative gouvernementale pour promouvoir la lecture. C'est quand les gens ne lisent pas souvent qu'ils sont intolérants. Ils se font passer pour ceux qui n'en sont pas parce qu'ils ont peut-être honte. Ne veulent pas se faire passer pour quelqu'un qui ne connaît pas, etc. Et donc, il s'engage à lui-même et initie les gens à lire, et les invite plutôt à ne pas simplement lire des livres scolaires. Et il y a des gens, quand ils sont à l'université, ils lisent beaucoup. Une fois qu'ils sont sortis, ils ne lisent plus. Ils n'ont pas ce temps. Ils sont dans d'autres types d'activités parasites, etc. Et voilà. Et il y a beaucoup d'avantages. Améliorer la grammaire, l'écriture, l'esprit critique. Et surtout, je crois que ce qui est important, ne pas être un suiviste. La lecture libère l'esprit parce que vous avez beaucoup d'idées, que vous allez mâcher, excusez-moi l'expression, et vous êtes peut-être obligé de sélectionner. Et en sélectionnant, vous avez une personnalité, vous avez un point de vue, vous n'êtes pas un suiviste, vous ne faites pas les choses parce que les gens le font, vous ne faites pas les choses parce que les gens croient, disent que c'est ça qui est vrai, etc. Non, non, vous prenez l'habitude d'analyser les choses. Vous ne vous laissez pas manipuler. Ça peut améliorer votre prise de parole, votre orthographe, etc. Et comme dit ce docteur Seuss, plus qui est un écrivain pour les enfants et tout ça, qui dit, plus vous lirez, plus vous en connaîtrez des choses, plus vous apprendrez, plus vous découvrirez des endroits. Des endroits, il faut le prendre au sens large. Ça peut être des villes, ça peut être des idées, et ça peut être une nouvelle manière de percevoir les choses, etc. Et John Maxwell, lui encore, le grand coach, il dit qu'il y a trois types de lecteurs. Les gens qui cherchent à acquérir des connaissances. Les gens qui pensent qu'ils savent tout ou en savent déjà assez, finalement, excusez-moi l'expression, ceux qui s'en foutent de lire, la lecture dit c'est pas mon problème, ça, c'est une perte de temps, la vie c'est autre chose. C'est des choses qu'on entend très souvent. Donc, pour l'Afrique, la lecture et nous, c'est un thème très important. Il faut que l'on développe des stratégies d'apprentissage fondées pas seulement sur l'approche classique en salle,
mais qui permettent aux gens de lire, de découvrir. Et les implications sont intéressantes. Élever ces gens s'élève. Ça élève les débats. Regardez les débats aujourd'hui au Sénégal ou ailleurs, sur Internet. C'est la folie, quoi. C'est des niveaux très bas. Hein, c'est des niveaux très bas. N'importe qui raconte. Ça va même jusqu'aux insultes parce que simplement, vous ne partagez pas la pensée de l'autre. Hein? Donc là, nous avons un problème. Ces gens, ce n'est pas des lecteurs, les gens qui font comme ça. D'ailleurs, ils n'ont pas d'idée. C'est parce qu'ils n'ont pas d'idée qu'ils comblent ça de cette manière. Donc, quand on ne lit pas, peut-être qu'on ne peut pas s'élever, élever le débat, élever ses idées, et répondre sans complexe à quelqu'un au lieu de l'insulter, etc. Peut-être que la vision stratégique va flancher. Et dans un monde de compétition aujourd'hui, les employés qui veulent améliorer les gains de leur entreprise ont intérêt à lire dans leur domaine, à s'informer. Heureusement qu'il y a Internet pour ça, j'espère qu'ils le font. Et le livre aussi, la lecture devient un instrument de développement personnel, hein? Développement individuel, comme disent d'autres, organisationnel. Hein? Quand vous regardez les chaînes YouTube de Google, hein, de Microsoft, hein, vous voyez qu'ils ont un département qui s'occupe de ça, hein, qui régulièrement invite les grands penseurs, les grands écrivains qui viennent développer le thème. C'est des choses que vous pouvez regarder sur Internet. Donc, ils ont investi dans le renforcement de leurs capacités par le partage de connaissances en provenance de grands écrivains, de grands penseurs, etc. Et c'est des moments de la vie de l'entreprise. Il y a des départements qui s'occupent de ça. Et a fortiori, nous. Donc, dépasser la. L'autre avantage aussi, ça permet de dépasser l'amateurisme, d'improviser. Je l'ai déjà dit, l'indépendance d'esprit, ne pas être un suiviste, parce que son esprit de travail. Et il y a des études très sérieuses qui montrent que souvent, les gens qui travaillent beaucoup en âge avancé et qui font travailler leur cerveau, etc., souvent ont une plus longue vie que les autres. Et donc, et souvent, on va au Japon, par exemple, dans certaines villes, beaucoup de centenaires, les gens se demandent comment c'est possible. Après des études, on se rend compte que c'est des gens qui n'ont jamais voulu arrêter de réfléchir, de bouger sur le plan physique, etc., et de se réveiller tôt, de faire un peu de sport, etc. Et c'est des couples. Hein? Donc, voyez, et comme je disais à mes étudiants, il y a plusieurs années, quand j'enseignais beaucoup, je faisais l'enseigne beaucoup de cours de management. Et je disais que finalement, si vous regardez bien, il y a des jeunes qui sont vieux. Vieux dans leur tête, vieux dans leurs idées, leur esprit, les questions dont ils s'occupent, etc. Je me rappelle en première séance de coaching, un élève d'un des pays voisins, je ne sais plus lequel encore, au Guinée ou quelque chose, m'a dit, ben, écoutez, coach, moi j'ai un problème. Je dis que je suis jeune, mais vraiment, les gens me considèrent comme un vieillard parce que je parle de ceci. Bon, c'est un peu ça. Vous pouvez avoir aussi des... Moi, j'aime pas le terme vieillard, je préfère dire âgé. Vous pouvez avoir des personnes âgées aussi. Les personnes âgées qui sont jeunes, de par leur esprit, de par leur occupation, et même de par leur physique, parce qu'ils bougent, parce qu'ils lisent. Et la lecture est un élément semble-t-il, qui touche aux neurones, etc. Donc, il y a un autre aspect du point de vue santé. Et puis, c'est un loisir aussi, un loisir sain, bien s'occuper. Et l'aspect de l'un des aspects de la lecture, j'ai quelques vidéos sur l'humilité sur ma chaîne YouTube, que je vous conseille à écouter attentivement, ça va compléter cette partie sur l'humilité. Et l'humilité, c'est que ça, je ne le sais pas, je n'en parle pas. Ou je préfère écouter les autres, je préfère apprendre. J'écoute, je suis attentif. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe avec Internet, la qualité d'expert est galvaudée. Vous avez beaucoup de propagandistes, de soi-disant, je ne sais pas quoi, qui parlent à la part des experts. Donc, il y a une certaine dévalorisation de l'expertise et de la science. Bon, peut-être qu'ils ont beau faire, ça va échouer. Parce que tout de même, c'est la science et c'est grâce à la science que nous rentrons dans les avions, que nous avons des voitures et que nous mangeons plus sainement. La liste est longue, si on veut dire. Mais il y a cette tentative de décrédibiliser l'expertise.
Bon, c'est peut-être des enjeux de pouvoir aussi. Hein? Des enjeux de pouvoir. Et c'est un risque, c'est le thème de ma prochaine vidéo sur ce que j'appelle les leaders toxiques. Hein? C'est dangereux. Et il faut parler aux gens pour qu'ils comprennent cela. Hein? Vous n'êtes Je me rappelle bien un conseil de mon professeur de marketing quand je préparais mon MBA, qui avait dit quelque chose qui est toujours resté présent à moi, qui disait que si on vous interroge sur quelque chose et que vous ne savez pas, dites carrément que ah, ce n'est pas mon domaine, hein, ce n'est pas mon expertise. À la limite, dites-lui, mais je connais un expert, je peux vous le recommander, etc. Ça, c'est une preuve d'humilité, mais non seulement d'humilité, mais de générosité. Il y a des gens qui vont enterrer ça. Ils vont essayer de faire semblant de parler. Et on le voit aujourd'hui jour et nuit. Jour et nuit, sur les télés, les radios qui chantent, parlent de choses. Ils répètent des choses que d'autres ont déjà répétées. Et ils posent des questions que tout le monde a posées 1000 fois. Hein, quand vous regardez les journalistes là, beaucoup d'entre eux, ils posent des questions à n'en plus finir. Ça fait 5 ans qu'ils le disent, 10 ans qu'ils le disent. Il faut avancer. L'humilité aussi, c'est la curiosité. C'est écouter avant de parler, reconnaître qu'on n'a pas de réponse à tout. C'est la modestie. Hein? Ça, oser dire que je n'ai pas étudié cette question, ce n'est pas mon domaine, etc. Hein? Il n'y a aucune honte à ça. D'ailleurs, moi, mon point de vue, c'est que dans la vie, il faut se spécialiser dans une, deux ou trois choses. Au-delà, on va dans tous les sens, on concrétise rien, etc. Ça, diversifier son expérience, c'est aussi un avantage de l'humilité, de la lecture, se débarrasser des préjugés. Hein, excusez-moi pour les coquilles, parce qu'avec la main gauche, j'ai du mal à taper. Et au fond aussi, c'est un moment de loisir, de solitude, de rétrospection. Donc, je dirais que les grands leaders transformationnels sont curieux. Ils lisent, posent de bonnes questions. Grâce à la lecture, il fortifie la liberté de penser, la liberté tout court, la liberté de créer. Il se libère de la tendance à être des suivistes. Il se libère donc des préjugés, des pressions, de manipulateurs, etc. Ils sont humbles, car ils savent qu'à un instant donné, ils ne peuvent pas avoir toute l'information. Par exemple, le dirigeant qui ne pose pas des questions à ses équipes qui pensent que ce n'est pas son rôle, que son rôle c'est de leur donner des ordres, des ordres par exemple, et que c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui connaît tout, etc. Et, par exemple, ça c'était l'absence d'humilité. Il y a beaucoup d'études en management sur ces questions en coaching, etc. Et ces gens de dirigeants, de managers, de leaders humbles, et, qui sait qu'il n'a pas toutes les informations, finalement c'est son avantage. Parce que c'est quelqu'un qui va faire beaucoup, beaucoup, très attention à son entourage. Ce que j'ai appelé dans une des vidéos en ligne sur ma chaîne YouTube, le cercle rapproché. Hein, donc, et au recrutement. Le recrutement devient important pour lui. Et il y a aussi d'autres avantages que l'on développe. Hein, les soft skills. J'en ai parlé l'autre jour lors de la conférence à l'EIA, et les soft skills, mot à mot, c'est à côté des hard skills. Les hard skills, c'est un peu toutes les connaissances pures et dures, comptabilité, mathématiques, de l'ingénieur et je ne sais quoi encore, etc. Mais à côté, il y a le soft. Hein? Le soft, c'est l'homme, la personne. Ce qu'elle pense, tel qu'elle est, ce qu'il a dans le cœur, dans son esprit. Et il y a les 5 C. Ça peut contribuer aux 5 C. La curiosité, développer votre créativité, critique positive, on dirait l'esprit, critique, la communication, la collaboration. C'est ça les 5 C. Ça peut vous aider à cela. Donc, leaders are readers. Les grands leaders sont souvent de grands lecteurs, malgré les apparences. Quand je dis grand lecteur, je n'ai pas dit qu'ils sont forcément diplômés. J'ai dit qu'ils lisent, ils s'informent, etc. Et donc, la lecture, en tant qu'habitude régulière, a un avantage. Il vous empêche d'être figé, radical, intolérant. Hein? Et un autre avantage aussi, c'est que vous êtes avide de connaissances nouvelles, vous allez chercher, vous attendez, etc. Il accroît votre autorité, votre crédibilité, surtout si
Vous tirez le son de ce que vous avez lu pour développer vos propres thèses et pour documenter vos manières. Vous devenez un expert reconnu au plan international, etc. Et nous devons le faire. Nous devons le faire. Il ouvre esprit, ouverture d'esprit. On apprend de ses erreurs. On améliore la qualité de ses interactions. La prise de parole en public s'améliore. Bon, les fautes de grammaire, tout ça, ça commence à disparaître. Et demain, aujourd'hui, avec Internet, des correcteurs orthographiques, c'est déjà un outil intéressant. Et plus de tolérance, ça améliore votre santé mentale, ça vous enlève le stress. Et je vous ai donné des conseils que j'espère que vous allez appliquer dans la journée, et des petits moments réservés à cela. Et on va encore dans d'autres conseils, recommandations. Ayez toujours un ou deux livres en perspective de lecture. Par exemple, rentrez dans Internet, dans le domaine qui vous intéresse, voyez quel est le best-seller. Et souvent, même si vous n'avez pas le livre parce que ça coûte cher, vous trouverez des gens qui ont fait des articles et des résumés sur cela. Lisez cela. Suivez l'évolution des best-sellers au niveau de la presse spécialisée. Des sites comme Amazon, etc., et des sites dont je vais vous montrer tout à l'heure. Développez vos capacités de lire aujourd'hui en anglais et en français. Si vous êtes francophone, aujourd'hui vous avez besoin de l'anglais. Parce que la majeure partie des best-sellers et des recherches est en anglais. Et pour les jeunes dynamiques qui nous écoutent, qui ont envie de faire de l'entrepreneuriat, je vous ai ouvert une porte. Ces nouveaux sites résumés dont je vous ai parlé, etc. Si vous commencez à les faire, je vais vous les montrer en ligne tout à l'heure. Donc, ou aussi chercher un partenaire qui se débrouille pas mal en anglais, qui sait au moins traduire des textes, les résumés, etc. Et à la limite, vous pouvez les associer. Et lire, comme je l'ai dit dès le départ, au moins par jour, quelques pages de livres jusqu'à épuisement. Évidemment, dans des domaines qui vous intéressent, dans des domaines qui vous sont utiles, etc. Si vous lancez le genre de projet, site résumé de livre dont je viens de parler, donc, diversifier son contenu, les résumés, donc, dans les résumés, vous pourrez avoir les résumés PDF, les résumés vidéo, les podcasts, les graphiques, etc. Et vous allez dire, par exemple, le livre de, qui je vais prendre par hasard, et le livre de John Maxwell, Les bons leaders posent de bonnes questions, par exemple. Et comment je peux faire pour le livrer, résumer en 5 ou 10 pages? Vous le faites en résumé PDF. Peut-être même résumé doc. Hein. Vous faites une vidéo là-dessus, des podcasts, vous faites des graphiques, etc. Toutes choses que vous verrez sur ces sites-là, etc. Hein. Vous avez un bouton d'achat. Vous dites que ça coûte 12 dollars, c'est pas beaucoup, 10 dollars, peut-être même plus, même moins. Hein? Quelqu'un clique là-dedans, achète cela. Hein? Il a le résumé du livre, il a des vidéos sur le livre, 4, 5, 6 vidéos, hein? Il a des podcasts, il a des graphiques, il a d'autres éléments. Comme... Peut-être que si, avec l'imagination, vous pouvez ajouter d'autres choses. Et ça marche. Parce qu'il y a des gens qui se disent, on n'a pas le temps de lire ce livre de 240 pages. Mais ce résumé de 10 pages est tellement bien écrit. Effectivement, quand vous regardez ces résumés, vous voyez que les gens ont pris du temps et mis l'effort nécessaire pour faire ce résumé. Et ça devient une sorte de business. C'est au sens, c'est du business au sens bon, puisque vous vendez un produit. Et quand vous regardez, la plupart de ces sites sont en anglais aujourd'hui. Get Abstract, tout ça, je crois que Get Abstract est en train de se diversifier vers le français. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, il y a un marché à prendre. J'espère que le club entrepreneurial de l'École internationale des affaires et peut-être d'autres jeunes qui nous écoutent. Voilà déjà un projet d'entrepreneuriat. Je reviendrai sur d'autres projets possibles, d'e-marketing, tout ça. Mais déjà, je vous donne celui-là. Méfiez-vous des soi-disant experts qui ne disent pas. Souvent, c'est des gens qui guettent la dernière mode, le dernier credo, le dernier slogan, et qui utilisent le réseau. Et pour gagner des marchés, toutes sortes de choses, mais personne ne va les appliquer. Et il y a des milliers de gens comme ça. Et donc, tirez les leçons de votre propre expérience, de votre propre vécu. Et comme disait John Maxwell, la vraie expérience, c'est des leçons que l'on tire,
de son existence, de son passé. Ce n'est pas dire que j'ai été ici, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous avez été là-bas, vous avez fait ceci. Mais quelle leçon en avez-vous tiré? Qu'avez-vous appris qui peut être utile à vous? C'est ça l'expérience. C'est pourquoi aussi il y a beaucoup de choses à dire sur les méthodes de recrutement. Ah oui, oui, il a été directeur de ceci, directeur de cela, chef de ceci, ceci. Donc il a l'expérience. C'est de l'affirmation gratuite. C'est pourquoi il y a des méthodes de recrutement beaucoup plus sophistiquées aujourd'hui, comme la méthode du docteur Bradford et consorts, pour recruter. Donc ça aussi, ça fait partie des lectures intéressantes. Peut-être qu'on fera une vidéo sur ça. Et donc, ou vous-même que vous le ferez, je vous invite à le faire. N'hésitez pas si vous lisez ces choses-là. Pour conclure, avant de vous montrer un peu les sites, un homme est connu par les livres qu'il lit, Ralph Waldo Emerson. La lecture est à l'esprit, c'est que l'exercice est au corps, le chasse-t-il. Il y a des crimes pires que brûler des livres. L'un d'eux est de ne pas les lire. Joseph Brodsky. Tous les lecteurs ne sont pas des leaders. Hein? Mais les leaders sont souvent des lecteurs. Truman, qui a été, je crois, si mes souvenirs sont exacts, président des États-Unis. Le plus beau cadeau est une passion pour la lecture. Elisabeth Arbery. La lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les meilleurs hommes des siècles passés. De tous les bons livres. Hein? Descartes. Quand j'ai un peu d'argent, lui, il va très loin. Et quand j'ai un peu d'argent, j'achète des livres. Et s'il en reste, j'achète de la nourriture. Et j'ai beaucoup voyagé, touché pendant les séminaires de renforcement des capacités et en France, ailleurs. Quand je vois beaucoup d'Africains, quand ils viennent, en fait, avec les PDM, ils se disent tout le temps acheter des choses, de très belles chaussures, de derniers coussins, etc. Et j'avais des livres. Moi, quand je descends dans le pays européen, je localise toujours la bibliothèque parce qu'il y en a dans les aéroports. Oui, il y en a à Dubaï, il y en a immense à Dubaï, là. Et je rentre avec des livres. Je rentre avec des livres. J'ai vu aussi mon expérience des jurants qui voulaient préparer des concours d'État, comme l'inspection générale, l'entrée à l'ENAM et les suites. Ils ne voulaient pas acheter des livres. Ils venaient vous emprunter des livres. Ils ne voulaient pas investir sur eux-mêmes. Et pourtant, ils voulaient réussir cela. Donc, vous voyez, c'est pas très sincère, etc. Et quelque part, il y a quelque chose, peut-être, qui fait que souvent, finalement, ça ne marche pas et il le mérite. Voilà, mais attention à ce qu'on dit. Je n'ai pas dit qu'il faut lire n'importe quoi. C'est le bon sens et je crois que vous le tenez. Voilà donc un peu ce que je voulais dire pour vous introduire dans ce débat. Avant de vous retrouver tout à l'heure sur la plateforme, je vais essayer de projeter, je ne sais pas si vous voyez Get Abstract qui est devant moi. Hein, donc, ça s'appelle, le lien c'est getabstract.com. Abstract, get comme obtenir. getabstract.com. Hein, c'est un site, donc, qui vend des résumés de livres. Voilà une affaire que vous pouvez monter. Ça supposerait que dans votre équipe, vous avez des gens qui aiment lire, qui vont faire résumer. Mais à la limite, vous pouvez sous-traiter ça. Hein? Vous pouvez sous-traiter ça. Et quand on descend un peu sur cette page, hein, j'espère que vous la voyez. Hein, moi, je suis membre de ça. Je me suis abonné. Hein, j'ai déjà acheté des choses. Hein? Donc, vous voyez, regardez un peu la présentation. Hein? Donc, il propose des ressources. Et des ressources, ce sont des résumés de livres, etc. Et donc, ils sont en partenariat avec d'autres maisons d'édition, etc. Et donc, vous pouvez également distribuer le produit, ce qu'on appelle l'affiliation. On y reviendra peut-être dans des vidéos pour le club d'entreprise de l'École internationale des affaires. Et Get Abstract, c'est ça permet de découvrir. Vous avez Blinkist, hein, que vous voyez ici, qui fait le même travail. Hein, qui fait le même travail. Si vous êtes membre, vous rentrez ici par login.
Et donc, et ce qu'ils font, et donc, ils essaient de résumer le savoir, hein, dans des livres, hein, ils les transforment donc en podcast, en vidéo, en résumé PDF, etc. Ainsi, vous voyez la notion de free is good dont j'avais parlé, et pour les e-marketing. Ils vous disent start free trial. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous allez cliquer ici, vous allez remplir un formulaire, ils vont proposer un cadeau, peut-être un bon livre, un bon résumé. Mais une fois que vous cliquez, vous remplissez le formulaire, et ça vient dans votre email, vous avez le cadeau, le livre qu'ils vous ont donné. Mais maintenant, vous êtes un prospect. Hein, ils vont continuer à vous montrer leur publication, peut-être que vous serez intéressé, que vous allez acheter. Et c'est très intéressant. Et donc, ils le font, ils ont des podcasts qu'ils font, donc sous forme d'audio. Ils ont même une application. S'intéresser à ça. Bon, j'espère que certains ont pu bien suivre cette vidéo qui, de toute façon, va être enregistrée et diffusée. Apparemment, il y a eu des problèmes techniques aujourd'hui que je n'explique pas. J'espère que ceux qui sont présents m'entendent. Je les remercie. Et donc, la liste est tellement longue aujourd'hui que je ne sais pas comment, je ne peux pas citer tout le monde. Hein, donc, mais je vous remercie quand même. Hein, donc, James Dabo Rodriguez, James Dabo Rodriguez, etc. Ils ont posé des questions. Il me dit qu'il y a un problème technique. Certains ont eu des problèmes. Rassurez-vous. Bon, vous êtes tous branchés sur StreamYard, mais vous auriez pu regarder ça sur YouTube, sur Periscope, parce que c'est du streaming. Peut-être que beaucoup de gens sont venus se brancher ici. Certains autres ont réussi apparemment à suivre l'émission comme Sadia Kanka, Fatim Sek, Baldé, Mambaldé, Mohamed Lamine Kouate, Sadia Kanka, il revient encore. Donc bonjour à tous. Oh, je vais le marquer quand même. Bonjour et merci. Bon, c'est le temps, si vous avez des questions, de le poser. Je vais essayer de prendre quelques questions et j'espère que la vidéo sera bien enregistrée. La liste est longue. Saran Sibi, Yacine Gueye, Dava Gueye, Mari Kaka, Yande Tiaré, Seynabou Diallo, LHC, Maïchaba, Ambayel, alias Madiba, Betty Meng, Dame Karimoula, Lo, c'est un peu mon homonyme, il y a des gens qui m'appellent Karimoula, mais ça c'est les vieux, qui ne sont plus là, des tchès, là, ils m'appellent Karimoula, je sais pas pourquoi. Awanias, Seydou Diarra, Mamro Kaya Diagne, Seydou Diallo, Khadin Diaye, LHC, Younous Diallo, Betty Meng, LHC également, Fatima Koulibaly, Fatou Kine Kébé, Ablaye Ba, Cheikh Khadim, vraiment du tout, ce serait difficile. Et merci Michel Diouf, merci Rima Manet, merci Mamadou Ndi, merci Seynabou Diallo, merci Diogo Diallo, merci LHC, je crois que je l'avais déjà vu. Merci Fatouma Diawara, merci Eljoun Yaï, merci Wan Mariam et Afsa Diatta. J'espère qu'ils sont sur les autres plateformes qui diffusent en ce moment. Merci Babacar Sané, Mambaye Diop, Seydou Diarra, John Nouer, j'espère que c'est comme ça. Je suis d'accord avec vous, pour un bon développement personnel, il faut beaucoup lire et bien lire. Bien lire, c'est important. J'avais dit quand je dis lire, c'est pas n'importe quel ouvrage. Mamoudou Ndim, Jules Sala, Abdoulaye Diédou, Baragna, Cheikh Nande Kouré, merci à vous tous, Seynabou Maroy.
cher Khadim Faye, Sancho Gueye. J'espère que je n'ai oublié personne parce que la liste continue en bas. Bon, mais l'écran a ses limites. Et donc, Mambayal alias Madiba, je crois que je l'avais vu. Donc, voilà. J'espère que ça a été intéressant. Regardez cette vidéo de nouveau. Elle sera présente sur ma chaîne YouTube et j'espère que je vais bien pouvoir les enregistrer tout à l'heure. Je vous remercie. Ça a été un plaisir. S'il n'y a pas de questions particulières, et j'espère que ça s'est basé, très bien passé pour tout le monde. Merci. Bonne journée.